Diaspopo, miroir du football de la diaspora somalienne. Diaspofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'un joueur que je surnomme le fantôme de Ghost ou encore Fantomas, parce qu'on n'avait plus de ses nouvelles, ça fait quasiment 2 ans, mais nous sommes heureux de vous annoncer qu'il a fini par trouver un point de chute pour poursuivre sa carrière. Lui n'est autre que l'international congolais Firmin Mumbele, âgé de 27 ans, qui vient de s'engager jusqu'à la fin de cette saison en Roumanie. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Toulouse en France, l'attaquant international congolais vient de signer jusqu'à la fin de la saison au CS Communal Selimbar, actuel 10e de la deuxième division roumaine. Pour rappel, l'ancien joueur de Rennes en France n'a plus joué depuis 2 ans et demi. Firmin Mumbele a subi plusieurs blessures en 2018, ce qui n'a pas permis à ce qu'il soit régulier en championnat. Il a joué pour la dernière fois à Astana, c'était lors de la victoire 4-1 devant Atiro. Cette rencontre s'était tenue un certain 25 septembre 2019. Environ plus ou moins 2 ans et demi qu'il n'avait plus joué. D'ailleurs, au cours de cette rencontre, il n'était pas titulaire. Il avait plutôt fait son entrée en jeu à la 86e minute à la place de Dorine Rotariou. Firmin Mumbele, un talent qui a semblé se perdre un tout petit peu. Lui qui a pourtant réalisé beaucoup de choses ici au pays et même en Afrique. Beaucoup de sportifs congolais espérer en tout cas le voir aller beaucoup plus loin dans sa carrière en Europe, qu'il a eu à débuter en France en passant d'abord par l'Égypte avant de rejoindre la France, mais ça n'a pas marché. C'est vrai qu'il n'a pas été non plus épargné par des blessures, mais là il revient. Espérons qu'il puisse capitaliser ce moment qui lui reste, parce qu'il vient juste pour quelques temps, juste jouer jusqu'à la fin de la saison. Espérons que ses prestations fassent que cette équipe puisse finalement lui offrir un contrat à long terme. C'est notre souhait en tout cas. Alors Firmin Mumbele, qui a eu à réaliser de très belles choses ici au pays, aussi bien en club, dans l'ASV Club plus particulièrement, mais on sait qu'il n'a pas débuté là-bas. Il était dans une équipe comme Rangers par exemple, l'Académie Club Rangers, et avant d'aller du côté de l'ASV Club. En équipe nationale aussi, il a eu à nous sortir aussi des belles prestations. Il a eu à inscrire des buts aussi en équipe nationale. Nous allons en parler. On va d'abord parler de sa carrière en club. Firmin Mumbele atteint la finale de la Ligue des Champions de la Confédération Africaine de Football en 2014 avec l'ASV Club. Une finale perdue contre les Algériens de l'Entente Sétif. Lors de la compétition, il inscrit 3 buts face aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs. C'est lors des huitièmes de finale de cette compétition. Et pendant la période de transfert estival 2015, il est transféré au Al Ahly SC. Le 30 janvier 2017, il est transféré au Stade Rennais, avec lequel il signe un contrat de 3 ans et demi. Firmin joue son premier match face à Angers en rentrant à la 70e minute à la place de Johan Gourcuff. Il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face à l'Olympique Lyonnais lors
de la 31e journée de la Ligue 1, un but partout, score final. Le 30 janvier 2018, il est prêté au Toulouse FC jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Le 7 juin 2018, l'option d'achat est levée, il est officiellement transféré au Toulouse FC. Le 2 juillet 2019, il est prêté au FK Astana pour une saison avec option d'achat, puis plus rien. Voilà donc, en équipe nationale, son parcours est aussi pas mal. Hein. Il participe d'abord au tournoi de Toulon en 2013, puis au championnat d'Afrique des Nations 2014 et enfin à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec la sélection congolaise. Lors de cette CAN 2015 organisée en Guinée équatoriale, le pays se classe d'ailleurs troisième de la compétition après avoir battu le pays organisateur au tir au but lors du match de classement. Il joue deux matchs comptant pour les tours préliminaires de la Coupe du Monde 2014 contre la Libye puis contre le Cameroun. Il participe à tous les matchs de son équipe lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017. Il est notamment buteur contre le Togo et passeur décisif lors des matchs de poule de son équipe contre le Maroc hein, pour la réalisation de Junior Kabananga, puis contre la Côte d'Ivoire pour la réalisation du même Junior Kabananga. Et comme palmarès, il est vainqueur du championnat national de la République démocratique du Congo que nous appelons la Ligue nationale de football avec l'ASV Club en 2015. Finaliste de la Ligue des champions de la CAF en 2014 avec l'ASV Club, hein. Avec cette finale perdue contre les Algériens d'Entente Sétif, il est donc médaillé d'argent. Et comme distinction individuelle, il est élu meilleur joueur évoluant en Afrique le 8 janvier 2015. Il est co-meilleur buteur de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football en 2014 avec 6 buts. Firmin Mumbele, né un certain 17 avril 1994, il a 27 ans actuellement. Il est né bien évidemment à Kinshasa dans l'ex-Zaïre, hein, actuellement devenu République démocratique du Congo. Il a 1m74. Il a débuté sa carrière pro, on va dire, hein, en 2013. Et c'est un attaquant qui peut vous jouer dans toutes les positions en attaque, aussi bien avant-centre comme ailier droit ou encore ailier gauche. Alors, saison 2013-2015, il joue du côté de l'ASV Club, 123 matchs pour 36 buts. 2015-2017 à Al Ahly SC, 36 matchs pour 16 buts inscrits. Au Stade Rennais de 2017 à 2018, 37 matchs pour 8 buts inscrits. En 2018, au Toulouse FC en prêt, il joue 12 matchs, 1 but inscrit. 2018-2021, on lève l'option d'achat, il joue 18 matchs pour 1 but inscrit. Et du côté d'Astana, lorsqu'il est prêté par Toulouse pour la saison 2019-2020, il joue 12 matchs, il n'inscrit qu'un seul petit but. En équipe nationale depuis 2013, il a joué 44 matchs avec la République démocratique du Congo pour 9 buts inscrits. C'est dire qu'il est parmi les meilleurs buteurs de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Dieu merci Mbokani qui trône en leader du classement des buteurs congolais de tous les temps à plus ou moins 22 buts à son actif. Voilà donc Firmin Mumbele qui réapparaît hein, et qui chute du côté de la Roumanie, c'est une bonne chose pour qu'il revienne. Hein. Je pense que le fait qu'il ait resté dans le banc de touche durant plus ou moins 2 ans a fait que même en équipe nationale, il ne pouvait pas venir. Hein. Mais s'il revient dans sa forme comme on l'avait connu avant, il pourrait toujours, pourquoi pas, revenir. C'est un joueur qui s'est toujours souvent montré décisif en équipe nationale. Soit il concrétise lui-même des actions ou encore il se mue en passeur décisif. Nous sommes d'autant plus heureux pour lui parce qu'on n'avait pas de ces nouvelles, on était très inquiet par rapport à la suite de sa carrière. Ce n'est pas n'importe qui peut gagner le ballon d'or hein, du meilleur joueur africain évolué au continent. Il a eu à le faire après Trésor Mputu, c'est pas rien. Et un tel joueur ne peut pas disparaître ainsi hein, des radars. Hein. Nous sommes quand même très heureux de le voir revenir. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de ces sujets hein, d'aujourd'hui dans Tiasco Foot, parce que c'est la spécialité de cette chaîne
YouTube, nous parlons des footballeurs de la diaspora congolaise parce que nous sommes DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé cette information concernant l'international congolais Firmin Mumbele, dites merci à l'équipe technique de DiascoFoot, mais laissez-nous aussi un maximum de likes s'il vous plaît. Merci de partager avec nous aussi votre opinion. Si vous en avez une concernant ce sujet, laissez-la nous à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot qui est le miroir du football de la diaspora congolaise, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité concernant les footballeurs de la diaspora congolaise, des binationaux, pourquoi pas des portraits, pourquoi pas non plus. Et nous espérons en tout cas que nous nous retrouverons bientôt si Dieu le veut. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.